Aujourd'hui, je vais parler à propos des habiletés de la communication orale et suggérer comment encourager vos élèves à s'exprimer en français plus souvent et avec plus de confiance. Souvent, les enseignants de programmes français intensifs ou l'immersion se plaignent que les élèves parlent en anglais dans la classe ou qu'ils manquent de la confiance en soi pour s'exprimer en français. La cause de ces problèmes est probablement que les élèves ont peur de faire des fautes de prononciation et de grammaire et qu'ils manquent le vocabulaire pour s'exprimer. Stratégie numéro 1. Créez un mur de vocabulaire dans votre classe avec les mots-clés de votre dernière unité et avec d'expressions utiles de la vie quotidienne. Par exemple, les phrases comme « Je suis allé au restaurant »,« J'ai fait une randonnée ». Cette stratégie peut aider les élèves à élargir le vocabulaire et aussi pour se sentir à l'aise de s'exprimer en français et parler de leur vie quotidienne. Stratégie numéro 2. Faites attention quand vous corrigez leurs fautes de la communication orale. Les élèves sont sensibles. Si on corrige chaque mot qui sort de leur bouche, on va détruire leur confiance. La meilleure façon de les corriger est de répéter une partie de ce qu'ils ont dit, mais bien sûr la version correcte. Par exemple, si les élèves parlent à propos de leur week-end, et quelqu'un dit « J'ai allé au musée ». Vous pouvez simplement répéter « Je suis allé au musée ». Stratégie numéro 3. Organisez les jeux comme « Devine qui »,« Devine quoi » ou « Le tabou ». J'organise ce type de jeu souvent et j'inclus le vocabulaire familier. Par exemple, de leur dernier texte de lecture, du dernier chapitre des études sociales ou de la dernière vidéo qu'on a regardée. Dans ce jeu, l'élève prend un mot d'une boîte et il ou elle a 1 minute pour expliquer ce mot à son équipe. L'élève doit parler en français sans utiliser le mot de même famille. Ça veut dire le mot avec la même racine. Les gestes et les mots anglais sont aussi interdits. Stratégie numéro 4. Utilisez le pouvoir de l'art dramatique. La plupart des élèves adorent l'art dramatique. Même les élèves qui sont timides aiment et profitent de l'art dramatique. Les jeux de rôle leur donnent de l'opportunité de pratiquer le nouveau vocabulaire dans un contexte de la vie réelle. Je demande aussi à mes élèves de créer leur propre petit scénario en équipe sur un thème qui est lié à notre unité de la lecture. Stratégie numéro 5. Donnez des petites récompenses aux élèves qui font l'effort de s'exprimer en français chaque jour.